Je t'explique le fonctionnement d'un composant électrique ou électronique par semaine, c'est parti! Le fonctionnement d'une résistance est basé sur la loi d'Ohm, une règle fondamentale de l'électronique. Cela peut être exprimé par l'équation U égale I fois R, où U est la tension, I l'intensité et R la résistance. Physiquement, une résistance se présente souvent sous la forme d'un petit composant cylindrique avec des fils de connexion à chaque extrémité. À l'intérieur, on trouve un matériau conducteur, souvent en carbone ou en métal, qui offre une certaine résistance à la circulation du courant électrique. Les résistances ont de nombreuses applications dans l'électronique. Diviseurs de tension, limitation de courant, filtrage de signaux, réglage de gain, etc. Les résistances sont des éléments cruciaux de l'électronique, permettant de réguler et de contrôler le courant électrique dans les circuits. Leur utilité va bien au-delà de leur simple apparence, contribuant de manière essentielle au bon fonctionnement des dispositifs électroniques modernes.